Nicole Krahr, ne pas occulter une réalité, ça ne veut pas dire la simplifier, la caricaturer. Votre appel est une caricature. Ah bon, est une caricature. Et attendez, vous prenez une anecdote qui est un fait réel contre lequel il faut se positionner et dire non, et puis vous en tirez un principe. Attendez, vous êtes en train de dire à la France, le nouvel antisémitisme dans ce pays, ce sont les Arabes et les musulmans. Donc non, pour protéger... Jamais les. Je n'emploie jamais l'article défini. C'est dans le livre. Des arabo-musulmans. Jamais les. Alors attendez. Attendez. Et quelle différence faites-vous? Attendez. Que nous, ça n'englobe pas tout le monde, ce n'est jamais de l'essentialisation. C'est complètement différent. Mais monsieur Finkielkraut, le racisme de Le Pen, ce ne sont pas les Français. Monsieur, ce sont des Français. Monsieur Finkielkraut, quand vous échappe la formulation, les Antillais sont des assistés. Oh, elle ne m'a pas échappé, je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça comme ça. Je n'ai pas eu cette phrase. Alors, ce n'est pas vrai. Vous êtes repris et vous avez réexpliqué. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce débat-là, c'est que nous nous mettions d'accord comme citoyens, qu'il y a des principes à défendre. Et Dieudonné, ça vous intéresse ce succès de Dieudonné? Est-ce que je peux terminer? Il a été condamné, Dieudonné, par tout le monde. Pas aux Antilles, précisément. Pas aux Antilles. Oh, même pas aux Antilles. Même pas aux Antilles. Il a été reçu comme un prince. C'est quand même un problème. Est-ce que vous le condamnez par le Ramadan, Dieudonné? C'est quand même un problème. Je ne suis pas du tout, je vais commencer par là, je ne suis pas du tout dans l'attitude de condamner des hommes. Cet homme a tenu des propos. Qu'on a défendu. Et Dieudonné, ça vous intéresse ce succès de Dieudonné? Est-ce que je peux terminer? Il a été condamné, Dieudonné, par tout le monde. Pas aux Antilles, précisément. Pas aux Antilles. Oh, même pas aux Antilles. Antilles. Pas aux Antilles. Il a été reçu comme un prince. C'est quand même un problème. Est-ce que vous condamnez par le Ramadan, Dieudonné? C'est quand même un problème. Je ne suis pas du tout, je vais commencer par là, je ne suis pas du tout dans l'attitude de condamner des hommes. Cet homme a tenu des propos. On a condamné Jean-Marie Le Pen. Je condamne les propos d'un homme. Je condamne pas les. Non, condamnez Jean-Marie Le Pen. Je condamne les propos d'un homme. Aussi Dieudonné. Je ne condamne pas. Alors, première chose, qu'on soit extrêmement clair sur les propos de Dieudonné, parce qu'on ne me fera pas dire sur ce que dit Dieudonné des choses que même la justice ne dit pas. Premier élément, il a des procès, il n'en a perdu aucun. Deuxième élément, je suis moi quel par rapport. Mais attendez, la justice, elle n'est bonne que quand elle va dans votre sens. Il n'a perdu aucun de ses procès sur antisémitisme. Laissez-moi terminer.